Bonjour à tous. Je me présente, je suis Amandine Beuscard, quadriade à la PHP à l'hôpital Avicenne sur le site sur la ville de Bobigny à Avicenne, sur le site d'Avicenne, pardon. Je suis accompagnée pour vous présenter ce Webiad live scientifique de Marie-Pierre Matézac, qui est IAD au Cancer Campus de Gustave Roussy à Villejuif. Alors, nous sommes toutes deux membres du comité IAD de la SFAR et nous sommes heureuses de vous présenter ce web IAD sur la thématique de la ventilation protectrice ou comment adopter les bons réglages pour un bon voyage. Pour ce faire, c'est avec une fierté non dissimulée que nous accueillons le professeur Emmanuel Futier du CHU de Clermont-Ferrand, qui est, disons-le, the spécialiste de la thématique. Spécialement pour vous, il nous a préparé un diaporama sonorisé pour vous présenter la ventilation protectrice, les bonnes pratiques au bloc opératoire. Vous pourrez suivre ce diaporama sonorisé en live et préparer vos questions que vous pourrez poser directement via le site de la SFAR. Et vous retrouverez à l'issue de cette présentation le professeur Futier qui répondra en direct à toutes vos interrogations. Vous pouvez d'ores et déjà vous préparer et envoyer vos premières questions. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir ce diaporama et je sollicite François-Régis de la régie afin de lancer cette présentation. Et nous vous retrouvons juste après. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Web IAD organisé par le comité IAD de la Société française d'anesthésie et réanimation. Je suis Emmanuel Futier, je travaille au CHU de Clermont-Ferrand et c'est un plaisir pour moi que de partager ces prochaines minutes à évoquer avec vous les bonnes pratiques de la ventilation protectrice au bloc opératoire. Tout d'abord, et comme il se doit, mes liens d'intérêt pour vous signaler qu'il m'arrive de travailler avec les sociétés Dräger Médical et General Electric, mais rien dans tout ceci ne devrait interférer avec mon propos. Voici le plan que je vous propose de suivre. Tout d'abord, nous évoquerons quelques éléments de définition, afin d'être certain que nous parlions bien tous de la même chose. Nous évoquerons ensuite le rationnel de l'utilisation de la ventilation protectrice au bloc opératoire. Et puis, nous rentrerons enfin plus spécifiquement dans le détail, notamment ceux du réglage du ventilateur concernant le volume courant, la pression de fin d'expiration positive, la pression de plateau et la pression motrice, le recrutement alvéolaire et enfin la fraction aspirée en oxygène. L'objectif principal de la ventilation mécanique est avant tout d'assurer les échanges gazeux, c'est-à-dire permettre une oxygénation en apportant de l'oxygène au patient, mais également permettre l'élimination du dioxyde de carbone. Et ceci est vrai qu'il s'agisse d'un patient de réanimation et a fortiori évidemment d'un patient sous anesthésie générale au bloc opératoire. Dès lors qu'il s'agit de ventilation mécanique, il est également important de garder à l'esprit le risque de complications secondaires et à ce titre de prévenir les complications possiblement induites par la ventilation mécanique. L'un des risques de la ventilation mécanique est l'apparition de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique ou VILI. Les mécanismes lésionnels impliqués sont au nombre de trois principaux. Le barotraumatisme, qui, comme vous le savez, est consécutif à l'application de pressions trop importantes au sein du poumon. Le volotrauma, consécutif à l'application d'un volume trop important et la possibilité d'une distension principalement téléinspiratoire, c'est-à-dire en fin d'inspiration. Et enfin, l'atélectrauma, qui lui est consécutif à des phénomènes d'ouverture-fermeture cyclique des alvéoles, principalement en téléexpiratoire. Ces mécanismes lésionnels peuvent être responsables de conséquences structurelles et d'une modification structurelle du poumon lui-même, mais également de la production au sein du parenchyme pulmonaire d'une inflammation. Et par des phénomènes de décompartimentalisation, cette inflammation, c'est-à-dire la production de ces médiateurs au niveau alvéolaire, est également possiblement responsable d'une inflammation systémique avec la libération dans la circulation systémique de médiateurs de l'inflammation et l'apparition possiblement de conséquences à distance du poumon. De fait, le principe de la ventilation protectrice est assez simple puisqu'il s'agit surtout et avant tout de prévenir ou de limiter le risque de ces lésions pulmonaires induites par la ventilation. Et donc principalement d'éviter les phénomènes de surdistension en réduisant le niveau de volume courant appliqué lors de la ventilation mécanique, mais également en appliquant une pression de fin d'expiration positive afin d'éviter le collapsus alvéolaire téléexpiratoire. Les objectifs principaux sont donc d'éviter l'atélectrauma et le volutrauma.
La problématique relative aux modalités d'application de la ventilation protectrice au bloc opératoire reste évidemment totalement prégnante en 2021, puisque lorsque l'on s'intéresse à l'incidence des complications pulmonaires post-opératoires telle qu'elle est rapportée par les données observationnelles les plus récentes ou certains grands essais randomisés contrôlés en chirurgie non cardiaque, on s'aperçoit que cette incidence a finalement assez peu évolué à l'occasion des 10 ou 12 dernières années. La question du prix à payer par les patients lors de la survenue d'une complication pulmonaire post-opératoire est évidemment au cœur du débat, puisque évidemment, dès lors qu'une complication pulmonaire post-opératoire va survenir, le risque pour le patient est évidemment infiniment majoré. C'est ce qui a particulièrement été bien rapporté dans cette étude qui utilisait les données individuelles de plus de 3000 patients issus de 12 essais randomisés contrôlés d'études observationnelles dans laquelle les auteurs rapportaient une incidence globale de complications pulmonaires et notamment d'insuffisance respiratoire de l'ordre de 3,6%, avec une mortalité attribuable estimée à cette insuffisance respiratoire de l'ordre de 19%. Il existait évidemment des différences dans ce travail entre les patients développant ou ne développant pas des complications pulmonaires post-opératoires, mais également en fonction du type de chirurgie concernée. Et comme vous pouvez vous en douter, évidemment, les patients qui étaient opérés d'une chirurgie thoracique et qui développaient une complication pulmonaire post-opératoire étaient principalement ceux pour lesquels le risque de mortalité post-opératoire était significativement augmenté. Dans cet autre travail, qui était une étude prospective multicentrique conduite pendant une période de 6 mois dans 7 centres académiques nord-américains, qui inclut les données de plus de 1200 patients opérés d'une chirurgie orthopédique abdominale ou d'une procédure neurochirurgicale, les auteurs ont rapporté qu'un patient sur 3 développait une complication pulmonaire post-opératoire après l'une ou l'autre de ces interventions chirurgicales. Dans ce travail, il existait évidemment des différences en termes de pronostic selon le type de complications concernées et également des différences en termes d'incidence de complications selon le type, encore une fois, de complications prises en considération. Et lorsque l'on considère le risque de pneumonie et le risque de réintubation post-opératoire, on n'est évidemment pas sur les mêmes niveaux d'incidence en post-opératoire. Mais par exemple, lorsque l'on regarde et lorsque l'on attache une attention toute particulière au risque de réintubation et au risque d'être placé sous ventilation mécanique après une intervention chirurgicale pour une insuffisance respiratoire aiguë, bien dans ce travail, comme vous pouvez le constater, le risque de mortalité dans les 7 jours suivant l'intervention chirurgicale était multiplié pratiquement par un facteur 30. Il est évident que la ventilation mécanique et la possibilité de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique et plus spécifiquement par des réglages inadaptés de son ventilateur n'est pas le seul facteur à prendre en considération dans le risque de complications pulmonaires post-opératoires, puisque le risque est évidemment multifactoriel. Il y a un certain nombre de facteurs chirurgicaux qui doivent également être pris en considération et d'autres qui sont plus spécifiquement sous notre responsabilité, puisqu'un certain nombre de médicaments que l'on va être amené à manipuler pendant la période opératoire et la période du post-opératoire peuvent également évidemment conditionner le risque de complications pulmonaires post-opératoires. Ceci a été notamment illustré dans cette étude multicentrique nord-américaine présentée juste précédemment et dans laquelle les auteurs ont rapporté effectivement un certain nombre de facteurs possiblement assortis à une majoration du risque de développer des complications pulmonaires post-opératoires, un certain nombre de facteurs contre lesquels finalement on ne peut pas forcément grand-chose, qui sont plus spécifiquement liés à la typologie de patients pris en charge. La seule chose finalement qu'on peut être amené à faire, c'est prendre en considération ces facteurs de risque, mais finalement un certain nombre d'entre eux ne sont pas ou peu modifiables en préopératoire. En revanche, et c'est ce que vous voyez sur la partie droite de la diapositive, un certain nombre de ces facteurs de risque sont directement en relation avec la façon dont on va travailler pendant la période per et post-opératoire, et comme vous le voyez, un certain nombre de ces facteurs, notamment le volume courant, la PEP, la FiO2, peuvent conditionner le niveau de risque concernant l'apparition secondaire de complications pulmonaires post-opératoires. Mais ce n'est pas le seul, puisqu'encore une fois, d'autres facteurs interviennent, notamment la façon dont on va gérer possiblement l'administration des liquides en péropératoire, la façon dont on va gérer les curares et plus spécifiquement la décurarisation. Bref, le risque de complications pulmonaires post-opératoires est un risque qui est évidemment multifactoriel. L'une des nouveautés concernant la ventilation mécanique au bloc opératoire est indubitablement la publication de ce consensus, de ces recommandations, en 2019 dans le British Journal of Anesthesia, qui avait pour vocation d'établir un point de départ avec quelques recommandations autour desquelles un certain nombre d'experts ont pu se retrouver afin d'émettre
Encore une fois, donc quelques recommandations de bonne pratique de la ventilation au bloc opératoire. Je vous propose donc qu'on attaque et qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on débute donc par le réglage du volume courant au bloc opératoire. Concernant le réglage du volume courant, le consensus a été obtenu autour de l'idée selon laquelle il fallait appliquer une stratégie de ventilation protectrice et par là même l'application d'un volume courant réduit par rapport à ce qui pouvait se faire il y a quelques années. Et il est proposé aujourd'hui de travailler avec un volume courant qui ne doit pas excéder 8 ml par kilo de poids idéal théorique. Comme vous le voyez, ce niveau de recommandation a été fort, avec une qualité d'évidence qui a été jugée comme modérée et un pourcentage d'agrément entre les experts qui était de 86%. Donc évidemment, une recommandation avec un assez haut niveau de preuve. Comme vous le savez, il convient évidemment de régler le volume courant, non pas sur le poids actuel des patients, mais sur leur poids idéal théorique ou leur poids prédit, qui peut être assez facilement estimé via la formule la taille moins 100 cm chez l'homme et la taille moins 110 cm chez la femme. Concernant le mode de ventilation mécanique, il n'y a pas de recommandation, plus spécifiquement la recommandation est la suivante, à savoir qu'il n'y a pas de mode qui doit être privilégié et que l'on peut utiliser aussi bien la ventilation mécanique en mode volume contrôlé ou en mode pression contrôlée. Une confusion classique lorsque l'on évoque les modes pression contrôlée et mode volume contrôlé est celle de la pression d'insufflation qui par définition est réglée en mode pression contrôlée et celle de la pression maximale qui est la pression maximale générée dans les voies aériennes par l'insufflation du volume courant en mode volume contrôlé. Il est évident, et comme vous le voyez sur la diapositive, que la pression d'insufflation en pression contrôlée et la pression maximale dans les voies aériennes consécutives au réglage du volume courant en mode volume contrôlé n'ont pas grand chose à voir l'une et l'autre, et qu'en revanche, la pression d'insufflation en mode pression contrôlée correspond grosso modo à la pression de plateau générée en mode volume contrôlé. Le second point que je vous aborder est celui du réglage de la pression de fin d'expiration positive. Comme vous l'avez compris, le réglage d'une pression de fin d'expiration positive est indissociable d'une réduction du volume courant. Et si la réduction du volume courant est souhaitable évidemment pour limiter le risque de surdistension, la combinaison d'une réduction du volume courant et d'un niveau insuffisant de pression de fin d'expiration positive, certes, va pouvoir permettre de limiter le risque de surdistension, mais ne permettra pas de réouvrir des atélectasies qui se seraient précédemment constituées au niveau pulmonaire. Et pour ce faire, seule l'application d'une manœuvre de recrutement alvéolaire pourra permettre une réaération complète du parenchyme pulmonaire. Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'application d'un niveau trop élevé de pression de fin d'expiration positive peut également être délétère et contribuer à la formation de lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique et notamment d'une surdistension. Et donc il convient de trouver un juste milieu entre un niveau insuffisant de pression de fin d'expiration positive et un niveau trop important de pression de fin d'expiration positive. Concernant le réglage spécifique de la pression de fin d'expiration positive, que nous disent les recommandations? Les recommandations sont assez claires puisque désormais, il est clairement stipulé que l'application d'une PEP nulle, à savoir une ZIP ou Zero End Expiratory Pressure, est désormais non recommandée pour la ventilation mécanique au bloc opératoire. Les experts suggèrent que le réglage initial de la PEP pourrait être une PEP de 5 cm de haut et qu'ensuite la PEP soit individualisée à chaque patient. Et les objectifs sont d'éviter, on va le revoir, l'augmentation de la pression motrice définie par la différence entre la pression de plateau et la pression de fin d'expiration positive tout en maintenant un niveau bas de volume courant. Là aussi, un certain nombre de travaux ces dernières années nous ont rapporté une augmentation du risque de complications pulmonaires avec des niveaux de pression de plateau, des niveaux de pression motrice trop élevés, une association statistique entre les deux, et dans ce travail-ci notamment, il existait clairement une augmentation du risque de complications pulmonaires dès lors que la pression de plateau excédait 19 ou 20 cm d'eau, et une augmentation du risque de complications pulmonaires était également retrouvée dès lors que la pression motrice dépassait 14 ou 15 cm d'eau. Alors pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une estimation et une mesure en continu, si possible, de la pression de plateau au bloc opératoire comme ce qu'on peut faire en réanimation? C'est parce que la pression de plateau nous renseigne, même si elle est imparfaite, elle nous renseigne sur le niveau de pression alvéolaire régnant dans les poumons du patient. Alors comme vous le savez, idéalement, la pression de plateau doit être mesurée en conditions statiques ou semi-statiques en réalisant ou en appliquant une pause manuelle téléinspiratoire, ce qui n'est évidemment pas possible dans la plupart des situations en bloc opératoire sur les ventilateurs d'anesthésie même de dernière génération. Et comme nous allons le voir, il est possible d'avoir une estimation, imparfaite certes, mais une estimation de la pression de plateau également au bloc opératoire.
Dès lors que l'on dispose de la pression de plateau, il est donc évidemment possible d'avoir une estimation de la pression motrice, qui encore une fois est la différence entre la pression de plateau et la pression de fin d'expiration positive. Et il faut idéalement éviter une augmentation de la pression motrice en cours d'intervention chirurgicale et faire en sorte que la pression motrice n'excède pas la valeur de 14 ou 15 cm d'eau. Alors comme vous le savez, la compliance du système respiratoire est définie par le rapport entre le volume courant et la différence entre pression de plateau et pression de fin d'expiration positive. Et donc par définition, la pression motrice est égale au rapport qu'il y a entre le volume courant divisé par la compliance du système respiratoire. Comme je vous le disais précédemment, l'information pression de plateau est disponible sur tous les ventilateurs d'anesthésie, quel que soit le type de ventilateur que vous utilisez dans votre bloc opératoire. Pour ce faire, il faut un réglage un petit peu particulier, puisque par défaut, le ventilateur vous affiche l'information pression moyenne. Et si vous voulez, en lieu et place de la pression moyenne, avoir la pression de plateau, ceci présuppose de régler un temps de pause inspiratoire ou un pourcentage de temps de plateau, en fonction du type de ventilateur encore une fois. Et il convient de régler un temps de pause suffisamment long pour permettre une mesure la moins fausse possible ou la plus exacte possible de la pression de plateau, puisqu'encore une fois, vous ne mesurez pas la pression de plateau en conditions statiques ou semi-statiques, mais il s'agira d'une mesure de la pression de plateau en conditions dynamiques. Et donc encore une fois, l'affichage de la pression de plateau et la connaissance de cette pression vous permettra d'estimer la pression motrice dynamique, qui sera définie comme la différence entre la pression de plateau mesurée en conditions dynamiques et la pression de PEP réglée sur votre ventilateur. Je vous propose maintenant que nous abordions la question de l'utilisation des manœuvres de recrutement alvéolaire au bloc opératoire. À l'occasion de cette présentation, nous ne rentrerons volontairement pas dans le détail de l'utilisation de ces manœuvres de recrutement alvéolaire qui pourraient faire l'objet d'une présentation à elle seule, simplement pour vous rapporter ce que nous proposent les recommandations. Et il est stipulé dans ces recommandations, en tout cas proposé, que les manœuvres de recrutement alvéolaire, en complément de l'application d'une PEP adéquate, puissent contribuer à l'amélioration de la fonction ventilatoire et participer à la réduction du risque de complications pulmonaires post-opératoires. Et donc il est probablement à considérer l'utilisation de manœuvres de recrutement alvéolaire dans un certain nombre de situations cliniques au quotidien au bloc opératoire. Enfin, le dernier point qui est également un point important est celui du réglage de la fraction inspirée en oxygène. Il est clair pour ce paramètre qu'il n'y a pas de justification à l'application d'une fraction inspirée en oxygène à 100% au bloc opératoire. Celui-ci a pas ou peu d'intérêt en routine clinique. Et il est proposé dans les recommandations qu'après intubation, une fraction inspirée en oxygène de 40% soit initialement en tout cas proposée et qu'ensuite, le niveau le plus bas possible de fraction inspirée en oxygène soit appliqué de sorte à que soit maintenue une saturation périphérique en oxygène d'au moins 94%. Mais encore une fois, le message principal est qu'il ne faut probablement pas régler son ventilateur de sorte qu'une fraction inspirée en oxygène de 100% soit appliquée au bloc opératoire. Ceci n'a pas ou peu d'intérêt en pratique clinique. Eh bien, merci à tous pour votre attention. Merci, professeur Futier, pour cet excellent diaporama. On a d'ores et déjà quelques questions qui nous sont parvenues. Alors, je vais en trier. Je vais commencer par du pratico-pratique. Martine nous demande s'il y a une différence en termes de ventilation protectrice entre un volume courant à 6 versus un volume courant à 8 millilitres par kilo. C'est une excellente question que Martine évoque, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de travaux, en tout cas au bloc opératoire, qui ont fait la démonstration du 6 plutôt que du 8 millilitres par kilo de poids idéal théorique. Le plus important à garder en tête, c'est qu'il ne faut probablement pas aller au-delà de 8, mais il n'y a pas de raison de privilégier un niveau de volume courant par rapport à un autre, et que probablement 8 millilitres kilo peut convenir à une proportion très importante, si ce n'est pas à la totalité des patients, au moins initialement. Ok, d'autant plus qu'avec nos analyseurs du contour de l'onde de pouls, le delta PP, il faut 8 millilitres kilo à peu près. Donc les gens ont cette règle dans Alors, la tête. C'est un autre point, effectivement, parce que c'est vrai que le développement de ces stratégies de ventilation protectrice, que ce soit au bloc opératoire ou en réanimation, a amené à reconsidérer l'indication, le champ des possibles vis-à-vis de ces indicateurs dits dynamiques de précharge cardiaque dépendance, le delta PP comme d'autres. Il faut se souvenir que ces indicateurs-là ont été validés
prenez un niveau de volume courant plus élevé encore, puisque le travail princeps, c'est un volume courant à 10 millilitres par kilo. Donc des niveaux de volume courant qui sont beaucoup plus importants. Et évidemment, à chaque fois qu'on va baisser son volume courant, on va faire varier le niveau de pression intra-thoracique qui vont être consécutifs à l'insufflation de ces volumes courants. Et les variations de pression à l'intérieur du thorax vont conditionner la fiabilité de l'interprétation et l'interprétation qui pourrait être faite de ces outils. Alors, est-ce que 8 pour autant répond au cahier des charges? Je ne suis pas certain. Mon avis, c'est qu'on dispose d'autres modalités d'évaluation de la précharge et de façon aussi efficace de guider le remplissage vasculaire et surtout la réponse au remplissage vasculaire. Et que l'on utilise finalement 8 ou 6 millilitres par kilo. Il y a un certain nombre de limites, autres limites qu'il faut avoir en tête concernant l'utilisation de ces outils-là. Et en tout cas, je ne pense pas qu'il faille choisir de faire 8 millilitres par kilo de poids hydroélectrique parce que l'on souhaite utiliser un indicateur dynamique. Ok, bah merci, c'est très clair. J'en ai une autre là. Bastien demande baisser le VT et ne pas mettre de PEP, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors ça sert à rien, c'est une excellente question de Bastien, ça ne sert à rien et c'est même probablement encore plus délétère qu'il faut avoir à l'esprit qu'à chaque fois qu'on baisse son volume courant, certes on est protecteur sur l'aspect surdistension, on va limiter en tout cas ce risque-là, par contre on va générer de la perte d'aération et du dérécrutement alvéolaire. Et donc ça ne peut pas être dissocié, cette diminution du volume courant, du reste de la stratégie et donc idéalement, l'application d'une pression de fin d'expiration positive et en parallèle de ça, dans un certain nombre de situations, l'application de procédures de recrutement alvéolaire. Mais en tout cas, baisser son volume courant et ne pas mettre de PEP en parallèle, c'est ne prendre qu'une partie du problème, en tout cas ne considérer qu'une partie du problème, et c'est peut-être accepter l'idée qu'on fait encore moins bien. Il y avait quelques données à ce sujet-là qui avaient été assez joliment rapportées par des collègues nord-américains qui avaient montré que dans leur centre, sur plusieurs dizaines, pardon, de milliers de patients, les équipes avaient adopté cette baisse du volume courant, et pour autant, en parallèle, ils n'avaient pas mesuré, voire ils avaient constaté une augmentation du risque de complications, parce qu'en fait, en parallèle, ils ne mettaient pas de pression de fin d'expiration positive. Merci, on Donc, voit on bien ne que la peut ventilation. pas. On Excusez-moi, peut, allez-y, oui. non, non, on peut pas dissocier l'un de l'autre, en fait. On ne peut pas s'approprier une partie de l'approche en considérant que le reste n'a pas d'intérêt, en fait. C'est un Ouais, bundle. c'est absolument. Bah, c'est ce que vous dites bien dans votre diaporama, en fait. C'est un ensemble de choses, et effectivement, qui ne peuvent pas être dissociées. J'ai une autre question là. Jusqu'à quelle pipe on peut monter quand la pression de plateau est élevée? Alors c'est une excellente question. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre. Effectivement, la pression de plateau, et c'est probablement une des nouveautés, en tout cas au bloc opératoire, la pression de plateau est aujourd'hui un peu plus fréquemment surveillée. C'est une pratique de soins qui est bien dans les mœurs en réanimation depuis très longtemps, notamment parce que il y a des recommandations ont bien montré son intérêt, notamment pour la ventilation du patient en SDRA. C'est vrai qu'au bloc opératoire, on n'avait pas tellement l'habitude de surveiller la pression de plateau, et de fait, elle s'affiche pas automatiquement sur les ventilateurs. Pour autant, les données existantes en réanimation, on retrouve à peu près la même chose au bloc opératoire. Donc effectivement, il faut surveiller la pression de plateau. Alors, le problème principal, et je l'évoque un petit peu, c'est que ce que l'on surveille en termes de pression de plateau, c'est une pression de plateau qui est dynamique et pas statique, puisqu'on ne peut pas, de fait, faire de pause manuelle et donc se placer en condition dite statique ou semi-statique de ventilation, c'est-à-dire avoir un débit réellement nul au moment de la mesure de la pression de plateau. Et donc, de fait, la pression de plateau que l'on observe est un peu supérieure à la pression réelle, qui serait mesurée en condition semi-statique, c'est-à-dire en réalisant une pause. Ce que je veux dire par là, c'est que les objectifs de pression de plateau, il faut les avoir évidemment en tête, mais qu'on a une petite marge quand même de sécurité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, il y a un certain nombre d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération dans l'interprétation des modifications de la pression de plateau, puisque l'objectif au final, c'est de maintenir une pression transpulmonaire téléinspiratoire pas trop importante et transpulmonaire téléexpiratoire positive. Et donc, certes, la pression de plateau intervient dans l'équation, mais ça n'est pas le seul paramètre. La pression pleurale est également un élément qui est important à considérer. Et il y a un certain nombre de situations qui vont amener à une modification de la pression pleurale, notamment la chirurgie chez l'obèse, notamment la chirurgie cœlioscopique ou robot assisté, où on va avoir une répercussion sur la pression pleurale. Et de fait, pouvoir accepter des niveaux de pression de plateau qui seraient peut-être un peu supérieurs à ceux qu'on a l'habitude d'observer. Et donc, c'est très difficile de répondre à la question que vous me posez, à savoir quel niveau de PEP maximal cibler en rapport avec un objectif de pression de plateau, puisque de fait, ça dépend du contexte.
Pour autant, je pense que de prime abord, se fixer un objectif de pression de plateau ne dépassant pas 25 ou 28 cm d'eau peut être une bonne idée, à réévaluer ou à considérer, évidemment, en fonction du contexte. Et probablement que chez l'obèse, ce n'est pas la même chose et qu'on peut peut-être se permettre de cibler des objectifs de pression de plateau un peu plus élevés. Ouais. Mais idéalement, pour faire ça, il faudrait pouvoir individualiser encore plus, c'est-à-dire surveiller la pression pleurale et donc mesurer la pression œsophagienne. Mais c'est un peu plus compliqué à faire. Peut-être plus tard. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une autre question sur la PEP. Doit-on réadapter la PEP en cours d'intervention et si oui, dans quel cas? Alors, effectivement, il faut le faire, puisque les recommandations, alors qu'elles valent ce qu'elles valent, hein, elles sont pas parfaites, loin s'en faut. Pour autant, les recommandations disent ceci, que la PEP initiale, en tout cas pour le premier réglage, se situe probablement aux alentours de 5 cm d'eau. En tout cas, ça peut être un point de départ à peu près consensuel. Par contre, ensuite, il convient d'individualiser le réglage en fonction de la typologie de patient, de l'installation éventuellement imposée par la chirurgie. Bref, il faut personnaliser son réglage et se guider idéalement donc sur un paramètre qui est la pression motrice. En tout cas, c'est ce que proposent les recommandations. Et la pression motrice, donc c'est la différence qui est entre la pression de plateau et la pression de fin d'expiration positive. L'idée étant d'éviter une augmentation trop importante de la pression motrice. Donc l'idée, c'est effectivement, on règle sa PEP à 5 cm d'eau après avoir réalisé l'induction de l'anesthésie générale et avoir intubé le patient par exemple. Et ensuite, en fonction de l'installation que va demander le chirurgien ou qui va être imposée par la chirurgie, on réévalue la situation. 5 pourrait peut-être suffire dans une grande proportion de cas, mais dans d'autres situations, il faudra évidemment monter son niveau de pression de fin d'expiration positive. Ok, donc réévaluation de la PEP après installation chirurgicale et après l'incision du coup. Et après l'incision, ouais, 5 c'est le point de départ, et puis ensuite on réfléchit. Merci beaucoup. Une Amandine, je crois que tu as question d'autres questions. pratique sur, de Florence sur la réalisation des manœuvres de recrutement. Alors, on a effectivement à disposition des respis qui peuvent réaliser ces manœuvres de manière automatisée, donc on va dire plus en sécurité, mais dans le cadre où nous ne disposons pas de ces respirateurs, comment on pratique réaliser ces manœuvres de recrutement sans être évidemment délétère? Alors c'est évidemment des questions importantes pour la pratique au quotidien. Alors il est vrai que les industriels et tous s'y sont mis, hein, que ce soit Dräger, que ce soit General Electric, que ce soit Mackay, enfin Pulsion maintenant, Getinge maintenant pardon, ou d'autres, tous proposent des modalités de recrutement qui sont totalement automatisées et automatisables. Ce qui a évidemment un certain nombre d'intérêts. Le premier d'entre eux, c'est ce que vous évoquez bien, savoir la sécurité pour le patient si jamais il y a un souci qui se passe en cours de procédure. Puisque, de fait, ne pas disposer d'une procédure automatisée implique un changement des modalités et du réglage de son ventilateur, donc parfois même de changer de mode de ventilation, passer du volume à la pression contrôlée par exemple. Évidemment, changer la pression de fin d'expiration positive. Bref, faire un certain nombre de changements qui peuvent, bah, dans certaines situations, pas forcément bien se passer pour le patient, notamment être bien toléré sur le plan hémodynamique, qui peuvent imposer un retour en arrière rapide. Et de fait, l'automatisation s'accompagne également, en tout cas pour les versions logicielles dont on dispose pour ces différents industriels dont j'ai cité le nom, de procédures d'arrêt instantané. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, ça interrompt automatiquement la procédure de recrutement et on revient à la procédure de ventilation, en tout cas la modalité de ventilation précédente. C'est donc une sécurité en cas d'événements indésirables, qu'ils soient hémodynamiques ou autres, en cours de procédure. Indépendamment du bénéfice qu'on peut également discuter sur ce que ça va nous permettre comme information complémentaire. Toutefois, si on ne dispose pas de ces procédures automatisées, il est évidemment possible de procéder et de réaliser des manœuvres de recrutement alvéolaire. De fait, sur un certain nombre de ventilateurs de réanimation, même de dernière, voire toute dernière génération, on n'a pas d'automatisation de ces procédures de recrutement. Pour autant, on réalise également des manœuvres de recrutement de façon routinière en réanimation, qui va imposer évidemment de faire un choix. Et donc là, on a deux options. Soit on utilise les performances de la machine elle-même, donc on va utiliser la machine elle-même, donc des réglages particuliers pour réaliser la procédure en utilisant le ventilateur, soit on va utiliser le ballon. Et il est tout à fait possible de faire un recrutement parfaitement efficace en utilisant un ballon, et vous savez qu'on a des ballons sur tous les ventilateurs d'anesthésie, à condition bien sûr
qu'il y ait une valve de surpression, une valve APL, qui soit réglée en conséquence, de façon à ne pas exposer le patient à des niveaux de pression possiblement délétères. Mais il est effectivement tout à fait possible de le faire, quel que soit pour le coup son ventilateur, même si on ne dispose pas d'un ventilateur de dernière génération, il est tout à fait possible de faire une procédure de recrutement en sécurité, indépendamment de l'existence ou non d'un mode automatisé sur la machine. D'accord. Et dans le cas de figure d'une procédure manuelle, Ouais. quelles sont vos préconisations en termes de pression à appliquer et surtout de durée? Alors, c'est une excellente question. Que des excellentes questions. En pratique, que l'on dispose finalement d'un mode automatisé ou d'un mode non automatisé, ou qu'évidemment on souhaite appliquer la procédure de façon manuelle, au finish, de toute façon, une procédure de recrutement, ça reste une procédure pendant laquelle on va souhaiter réaliser une augmentation transitoire de la pression transpulmonaire. Donc, cette fameuse différence entre la pression de plateau et la pression pleurale dont je parlais précédemment. Enfin, la pression alvéolaire et la pression pleurale. Donc, on va augmenter transitoirement la pression. Et ça, c'est vrai, encore une fois, que l'on le fasse de façon manuelle ou de façon automatisée. Les niveaux de pression dont on a besoin pour effectuer un recrutement efficace au bloc opératoire sont parfois très différents de ceux dont on va avoir besoin en réanimation. Et c'est assez simple, finalement, de réouvrir un poumon en cours d'intervention chirurgicale, puisque le problème qui se passe dans l'immense majorité des cas, c'est une atélectasie. La pression dont on a besoin pour réaérer un territoire de parenchyme pulmonaire qui n'est pas correctement aéré, voire qui est le siège d'une atélectasie, c'est à peu près 30 cm d'eau, enfin au moins 30 cm d'eau, ce qui veut dire que la pression à laquelle on va devoir travailler pendant la procédure de recrutement, c'est au moins 30. Alors après, il y a évidemment une individualisation qui est possible selon les caractéristiques morphologiques des patients. On sait que par exemple chez le patient obèse, 40 voire 50 cm d'eau peuvent être des niveaux de pression justifiés. La seconde partie de la question, c'est le temps pendant lequel on fait ça. Et encore une fois, c'est assez facile de réouvrir une atélectasie, enfin de réaérer une atélectasie. Et il y a un certain nombre de travaux qui suggèrent qu'une vingtaine ou une trentaine de secondes suffisent dès lors qu'on applique une pression suffisante. Et donc l'idée, c'est de probablement appliquer une pression de 30 à 40 cm d'eau chez le patient non obèse. Et une vingtaine, maximum 30 secondes suffisent pour obtenir un recrutement efficace. Oui, c'est Merci très. beaucoup. C'est assez J'ai court, Ludo hein? là. Oui, c'est assez court. En automatisé, c'est assez, je dirais, simple d'appliquer ces réglages. Quand on est en procédure manuelle, il faut quand même, comment dire, s'y astreindre un peu plus. Ouais. À propos, avant de passer la parole à Marie-Pierre, j'ai une autre question au sujet des manœuvres de recrutement à soumettre d'Élodie. Éventuellement, est-ce qu'il peut y avoir des interactions des manœuvres de recrutement et de la chirurgie thoracique? Alors, d'une façon générale, il y a évidemment des répercussions de la procédure de recrutement avec la chirurgie. C'est vrai évidemment si on travaille dans le thorax, mais c'est vrai également si les chirurgiens travaillent dans l'abdomen, par exemple. Et donc, mon premier conseil, en tout cas si vous voulez pas vous attirer les foudres de l'équipe chirurgicale, c'est de leur demander évidemment si le moment est le plus approprié pour le faire, et en tout cas si ça va pas les ça risque pas de les gêner. C'est sûr que si le chirurgien il est en train de faire une anastomose et qu'il a besoin d'un geste extrêmement minutieux, si brutalement on change le régime de pression et que ça peut être mal vécu par le chirurgien, parce que concrètement ça peut le gêner quoi. Donc le premier conseil, c'est demander au chirurgien si oui ou non il est sur un temps de l'intervention qui peut permettre la réalisation de cette procédure de recrutement sans le gêner. Et ça, c'est vrai, encore une fois, quelle que soit l'intervention, que ce soit du thorax, que ce soit de l'abdomen. En sachant qu'il n'y a jamais d'urgence à réaliser une procédure de recrutement, on peut tout à fait la décaler dans le temps de 5, 10 ou 20 minutes. Ce n'est pas une urgence. Donc, encore une fois, faisons ça sans gêner le chirurgien et ce sera beaucoup mieux ainsi. Sinon, évidemment, il y a des répercussions. De fait, quand on va réexpandre le poumon, en chirurgie thoracique, si le chirurgien, si par exemple on est sur une chirurgie à poumon séparé, donc sur un temps d'exclusion pulmonaire, si on décide de réexpandre le poumon qui est exclu, de fait, le chirurgien va avoir son champ opératoire qui va être gêné par ce poumon réexpandu, puisque la totalité du poumon va se réexpandre. Si par contre il s'agit en cours de chirurgie thoracique du poumon contraint, c'est-à-dire celui qui est au contact de la table, mais celui sur lequel le chirurgien ne travaille pas, là vous pouvez tout à fait recruter sans que ça gêne, ou en tout cas très peu probablement ça va gêner le chirurgien.
Il faut communiquer à travers le chant, Le maître comme mot, pour de tout toute façon, sujet. c'est toujours communication, ouais, c'est ça. Marie-Pierre, tu avais une Oui. question. J'avais deux petites questions de Ludo de Rennes qui nous demande quels sont les éléments qui permettent de mesurer l'efficacité d'une manœuvre de recrutement? Et la deuxième est pourquoi n'y a-t-il pas d'études qui ont comparé les différentes manœuvres de recrutement? Alors, ce sont deux excellentes questions. Alors oui, évidemment, il y a des modalités qui permettent de juger de l'efficacité. C'est vrai qu'on imagine toujours qu'une procédure de recrutement va être réalisée dans une situation d'hypoxémie, c'est-à-dire de chute de la saturation périphérique en oxygène. Et c'est parfois d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont appliquées, hein, c'est-à-dire parce que le patient est hypoxémique et qu'on veut faire quelque chose pour lui. Et donc dans cette situation, on en escompte évidemment une amélioration de l'oxygénation et donc une réascension de la saturation périphérique en oxygène. Pour autant, au bloc opératoire notamment, la quasi-totalité des patients développent des atélectasies sans que pour autant ça se traduise au moins initialement par des modifications de la saturation parce que la quantité de parenchyme pulmonaire qui est initialement au moins concernée par ces atélectasies est relativement limitée. Et que quelques pourcentages du parenchyme pulmonaire, et ça n'a pas d'impact sur la qualité des échanges gazeux réellement. En tout cas, on n'observe pas forcément de modification de la saturation périphérique en oxygène, alors qu'on a objectivement des modifications de la mécanique ventilatoire. Et donc, mon conseil, c'est celui qui est de ne pas forcément décider d'appliquer ou de ne pas appliquer une manœuvre de recrutement sur la base de la saturation périphérique en oxygène, mais plutôt d'évaluer la situation sur les modifications de la mécanique ventilatoire. Et on dispose sur tous les ventilateurs d'anesthésie, que ce soit des ventilateurs de première ou de dernière génération, qu'ils soient équipés de manœuvres de recrutement automatisées ou non automatisées, de possibilité d'évaluer cette mécanique ventilatoire, certes de façon imparfaite, mais tout de même, on peut estimer relativement fiablement, notamment quelle est la compliance du système respiratoire, c'est-à-dire la compliance de l'ensemble poumon plus paroi thoracique. Et donc typiquement, une possibilité, hein, je ne dis pas que c'est la seule, mais une possibilité est celle qui consiste, une fois qu'on a fait son induction d'anesthésie, une fois qu'on a fait ses premiers réglages de ventilateur, de faire un premier point d'évaluation de la mécanique ventilatoire, d'avoir une qualification, une quantification de la compliance du système respiratoire, qui sera une compliance encore une fois dynamique du système respiratoire, donc de fait pas parfaite. Et ensuite d'évaluer la situation et surtout les modifications de la situation. Donc, si la compliance s'altère en cours de chirurgie, alors qu'on avait tout bien optimisé au départ, c'est que probablement quelque chose s'est passé. Donc les choses qui peuvent se passer, il n'y en a pas 50, c'est soit on a changé son installation, soit le chirurgien a changé son installation. Par exemple, je ne sais pas, moi, il a modifié la pression d'insufflation du pneumopéritoine, ou alors si on est en chirurgie ouverte, il a modifié la traction sur ses écarteurs. Ça peut contribuer à une modification de la compliance du système via la répercussion que ça peut avoir sur la paroi. Si rien n'a été changé, c'est-à-dire si l'installation est la même, si le chirurgien fait tout pareil qu'avant, la seule chose qui peut amener à une modification de la mécanique ventilatoire, c'est de fait très probablement l'apparition d'atélectasie ou éventuellement d'une complication autre type apparition d'un pneumothorax. Mais c'est très vraisemblablement plutôt une atélectasie qu'il faut à ça qu'il faut penser en priorité. Et donc, l'idée, c'est de juger ou de guider les ajustements qui peuvent être apportés sur les modifications de la mécanique ventilatoire elle-même et pas nécessairement, encore une fois, sur un simple paramètre qui est celui de la saturation périphérique en oxygène. Aussi parce que, j'en finirai par là, l'oxygénation, elle est conditionnée par la ventilation d'une part, c'est vrai, mais également par l'hémodynamique et des modifications hémodynamiques. Notamment l'apparition d'une hypovolémie, peut s'associer ou s'accompagner d'une modification de la P petit AO2, donc de la pression partielle artérielle en oxygène, et donc d'une modification de la saturation périphérique en oxygène. J'espère que ça répond à la question. Alors ça, c'était la première partie. Et la seconde partie, c'était pourquoi n'y a-t-il pas, si je dis pas de bêtises, d'études qui ont comparé les méthodes de recrutement entre elles? Alors, il y en a des études qui ont comparé les méthodes de recrutement entre elles. Pour autant, encore une fois, il faut bien dissocier recrutement alvéolaire en réanimation sur un SDRA, par exemple, du recrutement alvéolaire au bloc opératoire chez un patient, finalement, pour lequel on aurait, entre guillemets, que à réaérer une atélectasie. Au bloc opératoire, comme je le disais précédemment, c'est assez facile de recruter n'importe quel patient. Dès lors qu'on se donne la peine d'appliquer la pression nécessaire et suffisante à réouvrir une alvéole, enfin, un territoire alvéolaire collabé,
il va se réouvrir. Ce qui est peut-être évidemment différent au bloc, en réanimation sur de l'œdème alvéolaire où finalement la mécanique, la problématique est différente. Et donc en fait, comparer des méthodes de recrutement qui vont appliquer les mêmes pressions ou cibler les mêmes pressions et les mêmes durées d'application de cette pression-là a assez peu d'intérêt. C'est-à-dire qu'on le fasse manuellement ou de façon totalement automatisée avec une machine même de dernière génération, a assez peu d'intérêt. Puisque de fait, ce qui conditionne l'efficacité, c'est la pression que l'on va réellement appliquer à l'intérieur du thorax. Et donc faire une CPAP, par exemple, ou un soupir étendu, si on applique la même pression pendant le même temps, on aura la même efficacité. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la tolérance hémodynamique pourrait être quelque chose qui pourrait être évalué, non pas en termes d'efficacité, donc de recrutement, mais en termes de tolérance pour le patient. Et là, on sait, ça aussi a été bien montré, que quand on monte brutalement la pression, bah, c'est de fait moins bien toléré que quand cette augmentation de pression est plus progressive. Et donc, les procédures automatisées de type soupir étendu sont généralement mieux tolérées sur le plan hémodynamique, notamment que les procédures type CPAP, où la montée en pression va être très brutale. Et donc, ça, un certain nombre d'études l'ont bien montré. Donc, oui, il y a des études qui ont comparé les procédures entre elles. Mais de mon point de vue, la pertinence, elle est plutôt sur la tolérance pour le patient qu'en termes d'efficacité réelle, parce qu'au bout du bout, si les modalités de recrutement sont différentes, mais que les pressions, elles, sont les mêmes et que le temps pendant lequel ces procédures sont appliquées est le même, bon, on aura la même efficacité. Ok, merci. Alors, vous conseillez de vérifier sur le respi la petite courbe volume-pression après une manœuvre de recrutement et de voir si ça a bougé, quelque chose de très concret. Comme ça, là, on peut mesurer plutôt notre efficacité là-dessus en affichant cette courbe. Exactement, c'est exactement ça. La boucle pression-volume, elle est disponible. On peut également geler une valeur référence de cette boucle et observer si oui ou non, dans le temps, il y a un déplacement de la boucle pression-volume qui laisse penser que pour un même niveau de pression, le volume délivré est différent, ou qu'inversement, pour un même volume réglé, si on est en volume contrôlé, la pression va être différente. Bref, s'il y a une modification de la compliance. Et donc, on enregistre une première référence et on évalue dans le temps si oui ou non la situation change. Et donc, c'est très visuel et instantanément, quasiment, on a l'information, il y a quelque chose qui s'est passé. Merci beaucoup. Amandine, je crois que tu as d'autres questions. Oui, j'ai une dernière question. Alors, c'est passionnant, mais le temps tourne. J'ai une question de Christine de Paris qui nous dit, ben voilà, on a bien ventilé en ventilation protectrice notre patient. Quid de la stratégie d'extubation en termes de pression PEP FiO2 quand réaliser la dernière manœuvre de recrutement et l'aspiration trachéale? Excellent. Stratégie d'extubation. Excellent. Alors, plusieurs choses à répondre à ça. Alors, premièrement, si on est dans une optique, en tout cas, de pouvoir extuber rapidement le patient dès la fin de l'intervention chirurgicale, ou en tout cas dès qu'on en aura la possibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve à ce moment-là dans une situation où on a peut-être allégé sa profondeur d'anesthésie, on a peut-être arrêté les morphiniques, quels qu'ils soient. Et très vraisemblablement, on est dans une situation où le patient n'est plus curarisé, si tant est qu'il l'ait été précédemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on a allégé la profondeur de son anesthésie, et donc il n'est peut-être pas opportun à ce moment-là de décider de réaliser une manœuvre de recrutement alvéolaire parce que la profondeur d'anesthésie du patient l'expose à une stimulation, un réveil et à un effort éventuellement de toux, qui pourrait être préjudiciable, parce que alors pour le coup, si le patient se met à tousser pendant la procédure de recrutement qui serait réalisée en toute fin d'intervention, non seulement on n'en aura pas possiblement de bénéfice, mais on en aura vraisemblablement un certain nombre d'effets indésirables, parce que si on associe la pression de la procédure de recrutement elle-même plus la pression réalisée par le patient lors de son effort de toux, on risque de lui faire exploser le poumon. Donc dans cette situation clinique-là, il faut être particulièrement vigilant parce que, encore une fois, l'objectif que l'on s'est fixé, c'est de pouvoir extuber le patient le plus rapidement possible après la fin de l'intervention chirurgicale. Si en revanche, c'est un patient pour lequel de toute façon, il n'a pas été prévu d'extubation parce qu'il est prévu de l'admettre en réanimation pour quelque raison que ce soit et que de toute façon, il a été anticipé que le patient n'allait pas être extubé, à ce moment-là, on se retrouve en fin d'intervention dans les mêmes conditions finalement qui étaient celles du départ ou du milieu de l'intervention et on peut faire la même chose. En fin d'intervention qu'au départ. Donc tout dépend encore une fois du contexte et tout dépend des objectifs qui ont été fixés pour la procédure de recrutement.
Mon avis, c'est quand même qu'on doit, compte tenu des produits dont on dispose aujourd'hui, être capable de pouvoir extuber le patient le plus vite possible. Il n'y a pas de raison, en tout cas, si encore une fois la chirurgie ne le justifie pas, de maintenir sous ventilation mécanique un patient qui n'a pas besoin de l'être. Et donc, si on peut l'extuber avant la sortie de salle d'opération, bah, pourquoi ne pas le faire? Et donc, typiquement, c'est pas forcément à ce moment-là que la question du recrutement va devenir la plus pertinente. En revanche, l'autre partie de la question, c'est comment je réalise mon extubation. Lui, enfin, cette partie-là est évidemment importante. Et on sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut probablement pas faire. La première d'entre elles, c'est décider de bronchoaspirer le patient à ce moment-là. Donc là, encore une fois, différents cas de figure. Mon patient est sécrétant, très sécrétant, j'ai passé une grande partie de l'intervention à le bronchoaspirer parce que je ne sais pas, c'est un insuffisant respiratoire chronique, un BPCO très sécrétant par exemple. Et on se retrouve à devoir le bronchoaspirer au moment de l'extubation. Donc là, il y a probablement une façon de faire qui est peut-être la moins mauvaise, c'est de dire je le bronchoaspire, puis je le rebranche sur le ventilateur et je l'extube dès lors qu'on en a la possibilité. En revanche, bronchoaspirer en retirant la sonde d'intubation, alors là, de fait, on annihile la totalité de ce qui a été bien fait avant, c'est-à-dire qu'on va favoriser du collapsus alvéolaire et donc exposer le patient à un risque d'hypoxémie au décours de son extubation. Donc le premier message, si on ne bronchoaspire pas un patient en l'extubant, si on a besoin de le bronchoaspirer, on le bronchoaspire avant, on le reventile pendant quelques minutes et on l'extube secondairement. Concernant l'autre élément qui est souvent discuté, à savoir est-ce qu'il faut ou pas mettre la fraction aspirée en oxygène à 100% au moment de l'extubation, là aussi deux cas de figure. La situation la plus courante, finalement, celle qui va concerner 99% de nos patients, à savoir des patients pour lesquels on n'a eu aucune difficulté de gestion des voies aériennes au moment de l'intubation, on n'a pas de raison de penser que l'extubation va être elle-même compliquée, et donc il n'y a pas de raison, de vouloir exposer le patient à une situation d'hyperoxémie, même transitoire. Et donc, dans ces situations-là, il n'y a pas de raison à placer la FiO2 à 100% avant l'extubation. À l'inverse, si le patient a été parfois, ça peut être, c'est rare, mais ça peut parfois se voir, si on a eu des difficultés à intuber le patient parce qu'on avait mal anticipé les choses sur les difficultés de contrôle de ses voies ou de gestion de ses voies aériennes, et qu'on s'attend peut-être, et ou qu'on s'attend peut-être à des difficultés au moment de l'extubation, les recommandations de la SFAR disent quoi? Les recommandations disent, dans cette situation-là, il est probablement recommandé de mettre la fraction aspirée en oxygène à 100% parce que le gain de temps est modeste, mais ce gain de temps, il est de quelques minutes quand même, et pourrait permettre de gérer une situation d'hypoxémie au retrait de la sonde d'intubation. Et donc, dans cette seule situation, il est suggéré, en tout cas, de monter la fraction aspirée en oxygène à 100%. Mais c'est la seule, parce que sinon, pour le coup, pour toutes les autres situations, encore une fois, 99% des cas, il n'y a aucune justification à mettre 100% d'oxygène avant d'extuber. Et donc, en pratique, ni on ne met la fraction aspirée en oxygène à 100%, ni on ne bronchoaspire au moment de l'extubation. De messages clés sur des pratiques encore existantes, c'est-à-dire que impliquer des modes de ventilation protectrices et puis ne pas réaliser l'extubation dans de bonnes conditions, ça annihile un petit peu tous les efforts préopératoires. C'est clair. Nous arrivons au terme de ce Webiad. Alors, nous avons encore une file de questions, mais ce sera l'occasion de vous inviter pour un autre topo. En tout cas, Avec plaisir. nous vous remercions de ces réponses qui nous amènent à changer notre pratique dès demain, je pense, pour certains qui sont très voilà, sur le diaporama qui nous présente tous les aspects théoriques et derrière la mise en application très pratico-pratique. J'espère que nos auditeurs et les futurs connectés trouveront les réponses pour leurs questions pratiques. Il est temps pour nous de clôturer cette session, malheureusement. Nous espérons vous retrouver nombreux sur ces prochains rendez-vous de Webiyad et nous remercions au nom du comité IAD chaleureusement le professeur Futier d'avoir accepté de participer à ce Webiyad scientifique, à ces échanges qui, voilà, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, je vous propose une petite séquence pub pour la SFAR en vous invitant à vous inscrire à notre newsletter pour avoir toutes les actus de la SFAR, mais aussi du comité IAD. Alors, la liste est longue, hein. Visitez notre site internet, particulièrement l'onglet IAD, puisque il est en constante évolution. Nous vous proposons des nouveaux contenus, l'onglet sur lequel vous pourrez retrouver
ce Wabillade, par exemple. L'accès au site où vous avez les rediffusions des e-congrès, des Wabillades, des supports de recherche, des veilles biblio, aussi une nouveauté, les portraits d'IAD, un genre de vie ma vie. Qui s'intitule Dans les sabots d'une IAD, puisque les IAD exercent au bloc, mais pas que. Donc, ces petits portraits vous sont proposés sur les activités des IAD en dehors du bloc opératoire. Retrouvez aussi sur le site les lauréats des abstracts du meilleur mémoire IAD, mais aussi la bourse de recherche IAD, qui est tous les ans d'un montant de 5 000 euros. Donc, sachez que l'ASFAR soutient vos travaux. N'hésitez pas à nous les soumettre, à vous abonner. Encore un petit instant pub sur le pack éducationnel. Donc, inscrivez-vous pour le pack éducationnel où vous aurez accès à l'application de l'ASFAR avec les ACAR, l'accès au congrès annuel qui a lieu en septembre, l'accès à la revue ANREA également, aux formations proposées par l'ASFAR et puis d'autres offres partenaires. Je close cette séquence pub en vous disant que le paquet éducationnel est soumis à réduction d'impôts. C'est intéressant. 66% de la cotisation. Conclusion, visitez notre site. Venez voir le replay avec le professeur Futier. Je vous laisse sur cette séquence pub et vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Et j'appelle François de la régie pour rendre l'antenne. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux Merci. et au comité Merci IAD. à vous. Bonne Au fin de revoir. journée. Merci.